Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure. Juste avant de commencer, nous prions le Seigneur. Nous te disons merci Seigneur pour la nuit passant bien sûr ta divine protection. En ce moment, nous allons ouvrir ta parole. Nous te demandons une double portion du Saint-Esprit, des langues de feu pour annoncer avec force les derniers messages des trois anges. Nous t'en prions ainsi. Au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, nous revenons à nos moutons. Nous oublions le fameux pasteur Marques, mais passons aux choses sérieuses maintenant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans Deutéronome 6, quoi? Et à partir de ça, nous sommes à la page 198, Deutéronome 6, à partir du verset 6 et à 9. Nous lisons ensemble. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'était un conseil et tes commandements, préceptes, ordonnances, enseignements, doctrines. Je reprends. Tes commandements, tes ordonnances, tes préceptes, les enseignements et les doctrines. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et ces commandements, et ces préceptes, et ces enseignements, et ces ordonnances, et ces doctrines que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et remarquez, il n'est pas dit dans vos cœurs, mais dans ton cœur, c'est-à-dire personnellement. Il y a un aspect individuel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, là nous allons considérer ensemble, comme dans la première partie, nous sommes maintenant dans la deuxième partie. Là nous allons considérer ensemble la doctrine de l'Éternel. Le mot précepte, ordonnance, commandement que je te donne aujourd'hui sera dans ton cœur. De la même manière qu'on a fait allusion ensemble avec et Habacuc 2, versets 1 à 4. Dans les derniers temps, le juste vivra par sa foi. Dans les derniers temps, le juste vivra par sa foi. Garde la prophétie. Écrive-la comme sur des tables de pierre. Dans les derniers temps, le juste vivra par sa foi. Tes préceptes, commandements, ordonnances, enseignements, doctrines que je te donne aujourd'hui sera dans ton cœur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, depuis de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, du commencement jusqu'à la fin, il y a une seule doctrine, une seule précepte, une seule ordonnance, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi,
un seul esprit et un dernier retour de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons considérer ensemble la doctrine de Jésus. Deuxième partie. Et c'est ça nous allons voir ensemble. À ne pas oublier, insignale du latin populaire et du latin classique signifie fait une marque, mettre une marque, imprimer, fait nouveau, savoir nouveau, didache, doctrine, didaskalos, enseignement, aux environs de 80 fois, parce que Jésus enseignait dans la synagogue. Jésus ne prêchait pas dans la synagogue. Donc, c'est la grande différence. Jésus enseignait, parcourut toute la Galilée, la Décapole, prêchait, enseignait, guérissait les malades. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons considérer ensemble la deuxième partie, à savoir l'enseignement, la doctrine de Jésus. Deutéronome 6, versets 6 à 9. Ces préceptes, ces ordonnances que je te donne aujourd'hui sera dans ton cœur pendant le voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras et partout sur les poteaux. Et c'est ça nous va le faire. Ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui vous pose des problèmes, pas qu'on n'est pas la justice. C'est ce que vous savez avec certitude et qui est des mensonges. C'est ça, non. C'est ce que vous savez avec certitude et qui n'est pas vrai. Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.